Bonsoir tout le monde, ici Azarath, on se retrouve encore pour une vidéo sur ce sujet qui est le paranormal. Je sais que ce n'est pas du tout le thème de ma chaîne, mais j'ai envie de partager les choses que je peux recueillir chez moi. J'ai recueilli encore deux nouvelles choses par rapport à la dernière fois, qui sont cette fois beaucoup plus nettes, beaucoup plus fortes. Rien que d'en parler, j'ai le cœur qui bat. J'ai refilmé encore une fois. Cette fois, j'avais des amis chez moi. Donc, il y a plus de témoins. Il y a moi, ma femme et deux amis. J'ai refilmé chez moi avec la caméra UV. Cette fois, j'ai filmé un orbe beaucoup plus clair. Ce n'est clairement pas de la poussière. Je vous montrerai la poussière, car j'en ai filmé. J'ai réussi à filmer de la poussière. Vous allez voir tout de suite la différence qu'il y a entre la poussière et l'orbe. La poussière au début, je mettrai la poussière et ensuite l'orbe. Donc pour ça, vous allez voir ça tout de suite. C'est de la poussière. Je m'enfonce. Anne Frank, est-ce que c'est toi? Donc voilà, j'ai filmé ça. Donc tout d'abord la poussière, puis l'orbe. Vous voyez très bien la différence qu'il y a entre les deux. Après, je ne suis pas sûr à 100%, mais voilà. Voilà. Deuxième chose, j'ai enregistré un PVE. Donc un PVE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une voix électronique. C'est-à-dire, les esprits, entre guillemets, les esprits, quand ils communiqueraient vers un micro, un enregistreur, etc., pourraient faire enregistrer des voix qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine. Alors donc, on a fait deux séances. Première séance, avec le bruit de fond, c'est-à-dire on n'a pas fait désactivation du bruit de fond, etc., dans les options de l'ordinateur, et avec le micro, ce micro-là, qui n'est pas très performant pour ça, il faut vraiment un enregistreur sensible. Donc le premier, ça a rien donné. Les bruits de fond étaient trop forts, ça faisait... Enfin, c'était incompréhensible. Le deuxième, on a désactivé le bruit de fond, ce qui fait une espèce de bruit électronique de robot chelou, en fait, quand on amplifie. J'ai amplifié toute la séance de PVE 14 ou 15 fois, je l'ai superposé 14 ou 15 fois, je l'ai monté, et là, les courbes sont plus accentuées. Donc, on voit les courbes quand je parle. Et à la base, les courbes sont plates après. Après, je reparle, c'est plat. Mais quand je l'ai amplifié, j'ai commencé à voir des courbes se dessiner. Des courbes très bizarres, qui vont vers le bas, qui restent en bas, qui remontent. C'est vraiment... C'est complètement chelou. Donc il y a des trucs entre mes questions que je ne comprends pas. Il y a seulement un truc à la fin qu'on a tous compris. Ce son, je vais vous le passer sans vous dire... sans vous dire ce que moi j'en pense, pour pas vous influencer. Donc écoutez-le et dites-moi ce que vous pensez entendre dans les commentaires. Donc ce son, ce PVE, je vais vous le passer trois fois. Les deux premières fois normal, tel que je les ai montés amplifiés 14 ou 15 fois. La deuxième fois en ralenti, qui sera plus étiré, plus allongé, pour que vous puissiez mieux entendre et distinguer les choses. Cette vidéo, enfin ce que je suis en train de dire, je l'ai retourné plus tard que ce que je vous ai dit juste avant, parce que je viens de me rendre compte qu'on a l'impression qu'on entend quelqu'un siffler. Bon là, ça sert à... je peux vous dire que j'entends ça, parce que de toute façon, ce ne sont pas des mots, donc je n'influencerai personne, mais j'ai l'impression qu'on entend quelqu'un siffler, du genre dans le genre de truc. Enfin, c'est vraiment très bizarre, car c'était le silence total. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce son. Le voilà. Donc voilà, personnellement, nous tous, ce son, on a l'impression d'entendre, il a dit quoi là? Une voix de femme qui dit, il a dit quoi là? Qui pose une question, il a dit quoi là? Comme si en fait elle m'écoutait,
qu'elle avait pas bien entendu et qu'elle disait « Il a dit quoi là ?» Enfin voilà. Donc réécoutez ce son en pensant à « Il a dit quoi là ?» Dites-moi si c'est plus probant de ce que vous, vous vous êtes dit. Voilà, pour moi c'est une voix de femme qui dit « Il a dit quoi là ?» C'est une soirée pleine d'émotions. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. Votre avis me sera fortement utile. Donc là, je pense que j'ai recueilli quand même des preuves un peu plus fortes, un peu plus crédibles. Après, j'enregistre avec ça. Je n'ai pas d'enregistreur numérique très performant, etc. J'ai pas les moyens de m'acheter du matos. Je fais avec ce que j'ai réussi à avoir des choses. J'en referai d'autres. On verra bien. On verra bien, parce que là ça m'intrigue complètement, quoi. Je suis un peu sur le cul, je pensais pas qu'on pourrait voir quelque chose aussi facilement en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et on pourra en discuter. Enfin, je serais ravi d'en discuter, voilà. En attendant, je vous dis bonne soirée, bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao !